participer ensemble avec nous dans l'activité SINAPO a fait depuis 3 ans et demi, ça va aller 4 ans. Et bien, présence nous la matin, hein, c'est dans le cadre de lancement et ICPOD, qui c'est l'initiative de support, de collage aux enfants des policiers décédés, et qui ont été joué depuis que les ICPOD. Ça a 2 ans de cela depuis que SINAPO a caressé le SAR pour nous regarder comment nous sommes capables d'aider quelques petits policiers qui mourent dans l'exercice fonctionnel, policiers qui mourent mort naturelle, policiers qui font accident. Nous connaissons que comment conjoncture l'a créé en 2021, en 2022, nous avons lancé ce programme à cause des pays là qui deviennent que nous avons campé sous les. Eh bien, je dis à nous lancer de façon officielle. Et quand tout le monde qui ouais sénateurage en plus moins travail et par exemple nous gagnons une des raisons qui fait nous la plus c'est parce que lancement ça n'a fait c'est dans le cadre d'un partenariat que nous gagnons avec nos amis qui sont haïtiens qui pas vivent en Haïti mais qui dans même domaine ensemble avec nous dans le pays que y a vivre là. Et bien, il toujours fait nouvelle sur Haïti, il toujours garder comment policiers vont mourir. Et bien, il dépense directement avec famille policiers, avec petit policiers. Bien, il passe par Sinaboa, que il estime qu'il fait un travail sérieux dans la police. Et bien, nous entendons ensemble avec lui. Nous connaissons que les policiers qui mourent en pile, petit en pile, parce que les policiers qui ont 2, 3, 4 petits. Nous-mêmes, ça n'a fait là, nous pas prendre place l'État. Nous pas dit l'État que pour ne pas continuer à faire ça, gain pour le faire envers petit policier qui mourit dans l'exercice fonction. Mais nous-mêmes, en tant que syndicat, qui a cherché bien-être pour policiers et madame policier, petit policier, nous toujours croisés ensemble avec eux, nous toujours parlé ensemble avec nous, et bien nous te dit, nous regarder qui ça que nous capables de faire. L'islam long, l'islam en pile. Mais nous, mon traitement que nous avons fait, ensemble de policiers qui mourent pendant 3 dernières années qui sont passées là, eh bien, dans le cadre de lancement, ça, SINAPOA, à travers la structure ça qui est en qui c'est ICPOD, eh bien, nous gagnons au moins 10 petits policiers que nous choisissons pour nous capables d'aider dans la question de l'école. Nous connaissons que yo en pile. Nous connaissons que 10 là, il n'est pas suffisant. Nous avons bien aimé que nous avons 20, nous avons 30, nous avons 40, nous avons 50 de petits monde que nous avons aidé. C'est ça qui fait que nous faisons lancement pour que nous l'ouvrions porte nous, par n'importe l'autre citoyen, l'autre organisation internationale ou nationale qui sentit nécessité que le travail que nous avons fait pour nous assister petits policiers. Si vous voulez accompagner nous, vous êtes capable de contacter nous, vous êtes capable d'accompagner nous. Nous avons bien aimé, gens qui nous sont là pour nous, c'est 20 personnes, 40 personnes, 50, 60 et pourquoi pas une centaine de petits policiers que nous avons Sinaboa avec plusieurs autres partenaires et AVD. C'est dans le contexte que nous là, matin là, pour nous lancer de façon officielle ICPOD là, qui sont ceux qui sont en dedans et Sinaboa. Pour nous garder comment nous pouvons coup de main, aider quelques petits policiers qui mourent dans l'exercice et fonction. Nous connaissons que le travail là n'est pas facile. Nous connaissons que qui ça on papa faut, qui ça on papa veut dire dans un cas, à chaque fois que papa ça n'est pas là, nous sentons que qui frappe que cas ça prend. Et bien nous-mêmes qui là, nous conscients de problème là, et bien. Nous avons regardé qui ça que nous sommes capables de faire. C'est une structure qui ouvre à toute organisation, tout le monde en Haïti ou à l'étranger qui voulait aider nous. Jean que me dit là, c'est un citoyen qui sont haïtiens, qui c'est un policier tout lui-même, mais qui ne peut pas vivre en Haïti, qui ne peut pas travailler en Haïti. Qui donc, il a décidé de collaborer avec SINAPOA pour nous capables d'aider au moins alors, 10 petits policiers que nous choisissons. Et nous avons l'autre tri encore que nous allons faire. Et ça fait que nous avons ensemble avec nous Valmont Barthelmy, qui est le qui est responsable du programme ICPOD là, qui a un projet que nous avons écrit, qui va faire un petit peu en plus
deux projets ça. Mais nous même au niveau Sinaboa, nous lançons ici pour là et pour nous l'ouvrir pour toute organisation nationale ou internationale, l'autre citoyen en dans pays à ou dehors pays à qui veut porter support. Parce que il y a dire que policiers il y a travail pour société. Puisqu'il y a travail pour société, pour ensemble de bagages que nous-mêmes nous capables de venir en aide avec les petits. Nous prenons par exemple un conseil de policiers qui mourit dans l'exercice de fonction, que nous avons examen pour tuer, pour bouler les corps, les familles ne peuvent pas nous joindre. Et donc nous pensons que la société est capable de toujours honorer la mémoire policier ça, de façon par de façon que nous sommes capables de nous. Nous ne prenons pas place l'État, mais c'est nous-mêmes. Comme une structure syndicale qui est une institution policière, et bien nous décidons de mettre cette structure ça camper pour nous capables d'aider les petits policiers qui mourent dans l'exercice et fonction. C'est en demain, c'est nous faire ça parce que quelqu'un qui peut venir par son lot et surtout gagner près de 10 ou près de presque 20 de policiers qui déjà mourent pour aller ça, nous prenons refaire l'islam encore, nous prenons grand petit policier ça en attendant que nous joignons l'autre monde, l'autre bailleur qui aide nous pour nous capables d'avancer avec nous sur tout ça. Okay. La passée. Selon la constitution, nous avoir reçu des décharges de sa gestion si on a été comptable des deniers publics. C'est-à-dire que qui est-ce qui t'a pour bailler Gary Crony décharge, c'est deux branches parlement qui ont encore qui t'a pour bailler des charges. Je dis, le pouvoir législatif n'a pas existé. Donc, selon l'article 157 de la Constitution, le sieur Gary Crony n'a ni droit, ni qualité pour venir premier ministre pays. Nous tendez en pile beau parler. Nous tendez d'autres avocats qui ont fait conférence de presse, mais qui n'ont pas énoncé des points de presse, seulement qui ont fait bris. Nous tendez des gens qui ont cherché à manger. Nous tendez des gens, ensemble avec la communauté occidentale, qui ont applaudi Gary Crony comme un sauveur. Je dis nous, ça peut être haïtien. Bataille là, son bataille qui fait commencer. C'est pour bataille qui a terminé. Nous avons seulement demandé nous patience. Patience, le pourquoi? Parce que Gary Crony n'a pas rien de sérieux que lui pourra porter pour le peuple haïtien. On nous parle de sécurité. Nous maintenant tête nous. Si on a besoin de résoudre le problème de sécurité dans le pays, c'est des policiers kenyans qui appellent derrière. Mais non. Pour qui ça, les policiers américains ne sont pas venus? Pour qui ça, les policiers canadiens ne sont pas venus? Voilà raison. Mais raison. Raison qui ça que les lycées, policiers américains ou bien policiers canadiens, ils ont toujours des téléphones dans les mains pour filmer. Ils ne peuvent pas accepter pour dire qu'ils ne peuvent pas filmer ça. Ouais. Ils connaissent les policiers kenyans depuis qu'ils disent pas filmer rien, il n'y a pas de rien, c'est-à-dire que nous gardons dans tout matériel qui a débarqué dans l'aéroport. Nous avons un ami qui est dans l'aéroport qui dit mais la majorité du matériel qui débarque, c'est matériel de forage. D'ici, nous avons résolu le problème de sécurité pour que ce matériel de forage ça. Ça montre nous à clair que nous avons besoin de force kenyan dans Vini pour sécuriser un droit que nous avons volé, les ressources nous. C'est ça que nous avons dit pour Haïtien. Faut nous rester vigilants. Bon, bah, nous avons un exemple encore. Si monsieur policier nous a touché moins de $250 américains, est-ce que nous connaissons un azam qui grand coup, qui pague un corps, monsieur? C'est un criminel en herbe. Donc, je dis, si nous avons besoin de résoudre le problème d'insécurité dans le pays, un, c'est résoudre le problème chômage. Deux, créer plus d'emplois. Trois, augmentation de salaire. Comment on comprend un policier a touché 30 000 gouttes? Comme vous comprenez, le commissaire du gouvernement a touché 55 000 gouttes. C'est tout à fait normal. Je dis à un policier qui a touché 30 000 gouttes, qui est madame, qui est petite, et qui a gardé un agent kenyan, qui a touché près de $6 000 américains. Et qui est-ce qui a fait travailler encore? Policier nous. Qui est-ce qui a fait travailler actuellement là? C'est policier nous. C'est ça qu'on a dit, peuple haïtien. Bataille là, il n'est pas campé. C'est ça qui fait que, vous ne pouvez pas voir le sénateur Guy Philippe. Yo te besoin yon moun ki pa intègre, yon moun ki te manje l'agent CIRH nan déjà ensemble avec Clinton. Si m konnen ke gen plus que $13 millions qui débloque fondation Clinton débloqué pour permettre Gary Crony rive premier ministre et non
non seulement ont débloqué plus de 13 millions de dollars, ils ont fait pression tout. Pression qu'ils ont fait sur Moïse Jean-Charles. Ils ont dit Moïse Jean-Charles, pas oublier madame ou petite aux États-Unis. Nous avons 5 sanctions sur vous. Nous avons levé 5 sanctions. Si vous permettez Gary Conny passer. Ils ont dit Claude Joseph, pas oublier côté dans 20 passeports. Nous avons deux sur vous. Si vous ne permettez Gary Conny passer, nous avons mis deux sur vous. Et tout le reste, monsieur, vous avez dit que vous avez un nom, vous avez un nom. Je dis maintenant qui ça nous prend la peuple haïtien. Nous avons battu pour exterminer le peuple ça, pour blanchir la race davantage. Nous avons dit que, après que nous avons assigné l'État haïtien référé pour ne pas payer conseil ça, cette tête ça pour ne pas payer. Et très bientôt, pral gagne un soulèvement général à travers 10 départements pays pour nous dire fois ça les États-Unis, fois ça le Canada, fois ça la France, halte là, parce que nous autres, même Michel Jean-Joseph, nous pas besoin de job dans mes Occident, nous pas besoin de job dans mes politiciens. Je dis à nous comprendre que Haïti est deux véritables ennemis. Puis deux véritables ennemis Haïti, yo. Premièrement, c'est communauté occidentale, deuxièmement, c'est politiciens nous, yo. Parce que ces politiciens nous, si on va être corrompus, oligarque yo pas ta utiliser yo jodi pou met Haïti côté que lié à la garde pendant faire conférence de presse là Haïti tourne yon désert amélioré personne pas ka fa que nativité yo détruit éducation nous pas de presque rien d'après venir avec yon petit programme qui yo cash forward pour yo bon $600 $1000 et pour parler de tout de ça apaisement social n'a dit peuple haïtien et n'a lancé message by tout monde moi capable di Gary Conny capable chercher petit job capable chercher manger m'a dit yo encore, peuple apprenne, le châtiment du peuple sera tout à fait énorme. Parce que l'île est temps pour nous bailler Haïti une chance. L'île est temps pour que Haïti en allons souffre. L'île est temps pour nous offrir journalistes, pour nous vaquer librement dans l'activité nous, sans que nous ne prenions contrainte, sans que nous ne prenions peur. Regardez, je dis, nous avons prison à ciel ouvert. C'est quoi ça? Pendant ce temps que nous pas de bataille pour ça, Dessalines pas de bataille pour ça, Capois la mort pas de bataille pour ça, Pétion pas de bataille pour ça, tout c'est l'ouverture pas de bataille pour ça. Mais je dis, ils ont réduit à un niveau tel, côté que c'est derrière manger que nous y est, côté que occidental là, dans la politique interne Haïti. Comment nous comprendre que, il y a un monde pour Gary Conny, qui était occupé poste premier ministre en 2012 sous Joseph Michel Martelly. Et tout le monde connaît dans quelle façon que Gary Conny a quitté poste là. Un, pas oublier que le cabinet d'instruction a décerné un mandat de comparution pour le sieur Gary Conny pour corruption. Et puis là, Gary Conny quitte le pays, l'aller aux États-Unis. Deux, article 157 constitution noire. Les dire mais qui gens, mais qui soit doit respecter, mais qui principe qu'on doit respecter pour éligible pour venir occuper un poste premier ministre. Bon faire lecture pour nous qui dans la constitution 1987 amendé en 2012 qui ça le dit. Pour être nommé premier ministre, il faut tout d'abord être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Est-ce que Gary Conny détenteur de un passeport haïtien? Est-ce que Gary Conny a un certificat de nationalité haïtienne que l'immigration délivre? 2. Être âgé de 30 ans. 3. Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine affective et infamante. Et ou pas de faire objet de poursuites judiciaires. Or, nous tous connaissons un mandat de comparution qui était émis contre Gary Conny en 2012. 4. Être propriétaire en Haïti. 5. Résider dans le pays depuis 5 années consécutives. Et de 2012 à 2024, ça fait Gary Conny 12 ans depuis qu'il quitte le pays. Donc, il n'y a pas aucune connaissance de réalité pays. Il n'y a pas aucune connaissance de terrain actuel. 6. Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics. Pas oublier que Gary Conny était premier ministre. Qui est-ce qui est pour balle de charge? Ces deux branches parlement côté au pas exister. Côté Gary Conny joue une décharge. Est-ce que Gary Conny t'a vécu dans le pays pendant 5 années consécutives? Est-ce que Gary Conny t'a payé une déclaration définitive d'épaule? Est-ce que Gary Conny a un certificat de nationalité? Non. Mais je dis, nous, communauté occidentale, voulons imposer nous Gary Conny.
Et ça fait mal pour un nègre de Boumoï Jean-Charles. Pour calibrer dit gagné, qui a battu l'estomac, qui a dit qu'il est fort dans la politique. Mais pour les États-Unis faire pression pour dire et Moïse Jean-Charles, il est prêt pour lever sanction sous Donald pour la loi madame Yad Petit aux États-Unis si le bagarre qu'on y passe. Pour faire pression sous Claude Joseph, pour dire Claude Joseph, nous prêts pour quitter le dossier passeport à passer si le bagarre qu'on y passe. Je dis, mais à quel type de monde nous en a fait? Nous en a fait avec des corrompus, nous en a fait avec des conseils, nous en a fait avec des politiciens, encore qui a fait politique d'estomac, mais qui pas venir résoudre rien dans le problème pays. C'est la raison pour laquelle que Occident a un problème avec Guy Philippe. Parce que Guy Philippe a prôné une coopération gagnant-gagnant. Le fait que nous avons des ressources, nous n'avons pas qu'à utiliser. Nous n'avons pas de problème avec la communauté occidentale pour venir aider nous et puiser les ressources. Nous. Mais cependant, nous avons une coopération gagnant-gagnant. Même si nous avons une coopération 60-40, nous pouvons accepter. Mais pas venir sous prétexte que nous prenons mettre sécurité dans le pays. Qui est-ce qui mette sécurité? Communauté occidentale. Qui est-ce qui met les amis? Communauté occidentale. Mais pour qui ça? Ce n'est pas les policiers qui sont aux États-Unis qui entrent en Haïti. Pour qui ça? Ce n'est pas les policiers qui sont au Canada. Donc ça, qui voulait prendre un otage, qui accaparait Gary Conny, qui peut même rentrer dans le pays. Et pour nous demander, sans condition, sans délai, pour respecter article 59 verset créole là qui dit faut que le président sorti dans le coup de cassation. Mes amis, pays a pas gagné encore non. Couleur 7 tek là, couleur 9 couleur. Gagné 7 nan yo. Yo piqué 100 moun 100 peuple là et puis 2 après 100. A veut dire couleur 9 tête là pas gagné 100 peuple, pas gagné 100 après 100 peuple là. Corruption qui a éclaté dans le conseil là. Et donc tout le temps de ça. Eh bien, je dis, nous disons, pour nous résoudre le problème, ça, c'est la Cour de cassation. Pour nous dire, Haïti va le changer, c'est la Cour de cassation. Et nous disons pour nous dire tout. Gary Conny, nous ne pouvons pas voler. Nous ne pouvons pas kidnapper parce que nous n'avons pas de preuve. Mais, nous ne pouvons pas jouer incompétent parce que nous sommes compétents. Mais, les gens qui ont été tous qui ont été en otage, nous disons, pays a pas levé contre. Pays a pas levé contre. La jeunesse pas levé contre. Mon honnête n'a pas levé contre. Mon compétent n'a pas levé contre. Et mon nan coup de cassation pas négocier un juge qui sort qui pas négocier personne qui est comme président qui est un juge qui sorti dans coup de cassation. Et pour finir, n'a dit il y a un méga marche des avocats. Nous étant parler avec tout confrère qui va le faire dans les jours qui viennent, pour nous demander respect à la Constitution, pour nous demander sécurité dans le pays, pour nous demander pour arrêter tout vagabond qui volait l'argent du pays, pour nous demander n'est-ce qui gagne sanction sur yo, n'est-ce qui gagne qu'avant d'am, pour quitter la jeunesse pour responsabilité dans le pays. Et pour nous demander installation sans condition, un président provisoire qui sortit dans le coup de cassation. Pour le dossier FNSA, le pays a pris le crasé. Pour le dossier FNSA, si le juge n'a pas arrêté Eddie Jackson Alexis, si le juge n'a pas arrêté Davis Deonet, si le juge n'a pas arrêté Loubert Divrère, si le juge n'a pas arrêté Jean-Honel Joseph, si le juge n'a pas arrêté Oristel Libolit, si j'ai pas arrêté Génial Mbop, si j'ai pas arrêté plus de des milliers de monde qui volaient l'argent FNEA, pays a pris un moment difficile. Pour dossier FNE, ça, pays a pris un problème, mais Boulos, n'a pas négocié pour des garçons. Mais toi, tu n'as pas négocié pour des garçons. Mais madame Madeline, il va négocier. Madame Boto, négocier? Non. Négatif. Coup de cassation pas négocier. C'est coup de cassation nous dit et nous dit accaparer malade. Maître Caleb Jean-Baptiste, dans le dossier de Gary Conny, nous même l'homme d'avocat, qui ça nous fait? Nous, est-ce que nous saluons désignation ça? Ça c'est une. Et nous parler pour une tag installation un président dans la Cour cassation. Est-ce que ça qui genre installation un président dans la Cour cassation pour le fait l'on considérer c'est conseil présidentiel là qui nomme un premier ministre. Ça c'est une. Deuxièmement,
qui démarche bloc avocat engagé lui-même lui déjà fait dans processus pour capable porter plainte devant cabinet d'instruction dans ça qui concerne le dossier Fonds national éducation et tout. Est-ce que bloc avocat l'a cité non pile monde ça c'est pas orienté là pour orienter et enquête qui va le faire sur dossier pour cher mon aimé l'aimer face au journaliste expérimenté comme ça qui ont compétence extraordinaire. Merci pour question ça journaliste radio télé Guinée, tout autre journaliste qui a adopté question ça. Nous même dans le bloc avocat, dossier FNEA déjà devant juge d'instruction. Dossier Ali dans le juge, Mélan, Bella, Pia. Dossier FNEA, directeur l'école, professeur l'école, parents. Dossier FNEA, Fonds national éducation, il dans le magistrat, Mélan, Bella. Et nous t'aiguons, Maïska, t'es invité nous pour t'aider de nous à titre de plaignant, en tout cas, t'es dénonciateur. Malheureusement, l'arrivée, vous connaissez tes jours que t'es gagné un cyclone, non? Juge n'a pas de 4 ans de nous. Mais il était là, il était présent. Il quittait le tribunal là presque à 1 heure. Mais malheureusement, à cause, Jean-Pierre a été bloqué, l'appui n'est pas de 4 ans de nous. Avec dit, dossier à suivre avec nous, bonne voie. Deuxième question, orientation. Non! Ce dossier pour le tabac, il faut arrêter des milliers de monde. Moun sa, c'est eux-mêmes qui en deux boîtes là, qui montent la corruption, nous citons nous. Bon, et fimio. Il y a plus que 200 films qui ont fait faux projet. Faut arrêter de mettre fimio. Il y a sous film tout, oui. Faut arrêter de mettre sous fimio. Projet ou pas fait. Ça veut dire, non seulement dossier à cabinet d'instruction, nous avons dit qu'on va voter par ULCC parce que nous apprenons l'ULCC comme ça pour des monde. Dans quatre dossiers, ça. On voit mieux, alors nous avons des documents nous parce que nous connaissons les raqueteurs volés en défense, pas d'accord avec des documents. L'autre question, c'était qui ça? Ok, nous parlons de désignation premier ministre. Est-ce que le bloc avocat, c'est ça? Est-ce que le bloc avocat? Non, bloc avocat! Nous pas saluer désignation, nous saluer désignation juge coup de cassation elle est installée. N'a pas de juge coup de cassation installé pour nous saluer désignation et puis nous connaît qui est pour nous féliciter à qui est pour. Tout temps juge coup de cassation pour installer, nous pas nous féliciter. Merci. Tout temps nous saluer tout journaliste sans distinction qui fait déplacement qui vient dans méga conférence pour la personne. Saluer M. Boulos. Salut Maître Adeline. Tout côté Miami. Salut Maître Madame Rebecca Boto, Maître Rebecca Boto. Sous comme il est. Salut Maître Belize. Salut plus de 300 avocats qui sont membres bloc avocat et force peuple. Jodia. Moi-même Maître Caleb Jean-Baptiste qui a plus de 22 ans depuis ma bataille dans le pays ça. Coordonnateur national bloc avocat. Qui libère plus de 3000 monde, tout le monde songe dans la bataille. Nous avons dit, nous, nous tendons, gagné Gary Conny, il est désigné comme premier ministre. Oh! Nous pas dit Gary Conny dans le volet, non? Parce qu'il n'y a pas de preuve. Nous pas dit Gary Conny pas compétent, non? Nous n'avons pas dit ça. Nous connaissons les compétences. Même il là. Mais Gary Conny, l'équipe équipe à cabaret. Une équipe doit dire. Une équipe machin zam. Une équipe anti-pays, anti-Haïti. Une équipe nègre. Nous sous liste Nations Unies. Nous sous liste Canada. Non, sous les sanctions, la France. Non, sous les sanctions, même bien, c'est domaine. Non, sous les sanctions. Nous, aujourd'hui, nous avons un pépin. Nous avons un pépin. Il faut un pépin. Il dit, pouvoir rejoindre encore. Que m'a dit, mon Dieu, machine crase, Gary Conny. Gary Conny, il y a un problème. Pour payer ça, nous avons mouru. Pour payer ça, accaparer ça, anti-peuple ça, corrompu ça, machin zam ça, machin droit ça, pas retourner sur moi.
Parce que depuis là, moi, je désigne là, moi, c'est eux même seulement qui sont là. Je dis, je dis au ministre. Oh! Je vais vous dire ça dans le bloc là. Comme, vous n'avez plus de leader du mouvement de cassation, hein? Nous dit, article 149 verset créole ça, nous ne pouvons pas négocier. Nous ne pouvons pas négocier. Il faut gagner un juge qui sorti dans le cours de cassation, qui peut venir président provisoire pays là. Il faut gagner un juge qui sorti dans le cours de cassation, qui peut venir président provisoire pays d'Haïti, sans délai et sans condition. A dit les États-Unis, Canada, la France, les groupes, CARICOM, les États-Unis. Nous ne sommes pas intéressés avec le projet de cassation. Nous ne sommes pas voulu un président qui soit dans le coup de cassation qui veut un président. Parce que si nous sommes d'accord, c'est nous qui avons posé là. Parce que le pays a perdu la souveraineté. Il faut dire la vérité. Tu as gagné un président qui est installé qui sort dans le coup de cassation. Nous-mêmes comme avocats, nous-mêmes comme avant-gardistes, nous clair. Nous prenons montrer avec accaparé ça. Nous prenons montrer avec nèg ça qui était dans vente d'armes, dans vente de drogue. Nous prenons montrer avec nèg avec femme ça qui sous liste sanction. Yo pas capable de prendre en otage. Nous prenons chauffer la rue. Militants, nous avons dit faire appel avec nous aujourd'hui, 29 mai 2024, nous faisons appel à nous. Mettez-nous en position de, parce que le pays a pris à lever campé, nous prenons lever campé, nous prenons demander lever campé. C'est mon mémoire qui connaissait un juge dans le coup de cassation qui garantit le pays dans ce là. Eh bien, il choisit un coup de 9 têtes. 7 têtes, c'est le coup de qui a piqué son capture, et puis dès l'autre coup de dès l'autre tête, il y a là pour le bresson. Mais nous disons, Jouvel la tombe dans de l'eau et pas jouer à mourir. À la chaud, à la chaud, à la chaud. Ça qui mourit, n'a pas vengé. Ça qui possède craser le pays, n'a pas vengé. Parce que Haïti n'a pas pris dans sa vie là. Et nous clair, président dans le coup de cassation, président sorti dans le coup de cassation. Et nous clair, si les drogues, kidnappés, machin d'âme, n'est qui sous sanction, femme qui sous sanction, pas qu'à venir mettre position là. Tout autant, nous là, nous vivons. Et ma petite, pour finir, dossier FNSA, ça qui va le passer là dans nos jours là, c'est mon petit pari. Merci à vous. Nous n'avons pas de ça. De façon qui est très patriotique, du fait que vous répondez à l'appel de la conférence de presse. La conférence de presse, elle fait l'optique pour nous débattre pour ça. Qui c'est? Premièrement, désignation Gary Conny comme étant premier ministre. Deuxièmement, exiger sans condition la désignation d'un juge à la Cour de cassation comme président provisoire selon le vœu de l'article 149 de la Constitution de 1987. Troisièmement, annoncer des mouvements de rue pour exiger la désignation d'un juge à la Cour de cassation. Parmi ces mouvements, nous aurons marche, sitting, manifestation de rue, sans oublier des grèves de faim. Et enfin, annoncer la marche des avocats pour demander, exiger le respect de la Constitution et surtout le rétablissement d'un climat de sécurité. Avec nous, sous panel, c'était d'abord Mme Poto-Ribéry qui a fait présentation. Deuxièmement, nous allons mettre Boulos qui va faire appel à la jeunesse qui a un mot par le biodi dans sa cap dessinée là. Et enfin, nous allons mettre Caleb qui va faire le